Salut à tous, c'est Chirika, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Spyro. Alors, on est au Mont 3, on a fait le vol dans la dernière vidéo. Là, on va aller direction les marais brumeux. Donc voilà, hein, ça commence à se corser un petit peu, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mais on va pas s'affoler, ça va très très vite. Commencer, rien de tel que tu niques déjà une petite grenouille, hein. Oh là, c'est quoi ça? Sérieux? Non. Eh, c'est marrant ça. Ah, je me souvenais plus de ces monstres là. Enfin, je sais même pas si j'avais été aussi loin que ça la première fois que je l'avais fait. Peut-être on peut grimper. On peut grimper. Enfin, moi j'escalade. Hey, il y a plein de crapauds, il y a plein de grenouilles. Bon, à mon avis, on n'a pas besoin de. Ils vont peut-être m'attaquer. Ouais. Ah, j'allais dire, il y a peut-être pas besoin. Je pensais que c'était pour la libellule, mais non, même pas. Enfin, ceux qui font le plus flipper, c'est ça. Ça, c'est marrant, ça. Ils se préparent à charger. On dirait mon chat, il dandine du cul avant de t'attaquer. Bah là c'est pareil, tu vois, c'est des mobs qui dandinent du cul avant de t'attaquer. Non. Oh putain. Des fois ils vont trouver de ces trucs. Alors là c'est Roscoe. On a sauvé Roscoe. Fais attention aux grenouilles d'attaque. Ce sont des tueuses impitoyables. Des grenouilles d'attaque? Dire que c'était un si beau marin. Alors, j'ai vu que j'avais oublié des coffres là-bas. On va les faire tout de suite. Hein. Voilà, ça, ça a été fait. Allez, maintenant, on peut aller à la suite. Moi, je vais aller là-bas. Non, mais enfin, cochère, tu vas pas me sauter dessus. Je me suis peut-être trop avancé. Non, c'est bon. Ah, si. Non. Ah, c'était bien fait. J'allais les enchaîner les 5 là. Ouais, 5. Putain, j'étais pro là. On aurait dit un PGM. On aurait dit chichi. Non, je rigole. Ah putain, c'était trop bien fait. Ah, c'était marrant. Attends, là-bas, il y a aussi des trucs. Hein. Allez, la petite poule. Je suis désolé, mais tu dois y passer. Ces garces. Il n'y en a pas une qui m'aura pas touché. Et en fait, j'ai pas regardé, mais c'est toujours 500. Ouais, c'est toujours 500. Ok. Bon, on a fait au moins
la moitié de ce monde. Merci de m'avoir libéré. J'ai l'impression d'être emprisonné ici depuis que j'ai ton âge. Oh non! D'ailleurs, je me rappelle... Je dois y aller. C'est ces putains de grenouilles qui m'ont eu en fait. C'est pas les gros. Les gros ça va. C'est les grenouilles. On a trouvé le dragon là, maintenant on a pris cher. Putain, la libellule elle a servi à rien. Enfin je crois que c'est par là-bas du coup. On peut plus revenir en arrière. Côté. En même temps je regarde, non de l'autre côté c'est encore pire, donc en même temps je regarde s'il n'y a pas des petits diamants à trouver hein. Et merde, bon bah il fallait essayer, maintenant j'ai été pris, je me ferai plus avoir, enfin peut-être je me ferai encore avoir, je sais rien, en même temps voilà hein, tu me connais, tu vois pourquoi je fais plein de vie. Pourquoi je suis toujours en train de me faire la blinde de vie dans les autres mondes? En même temps, je suis à 18 vies. J'ai de quoi voir arriver. Oh, je suis un pilote, moi. Donc j'avais... J'étais parti là-bas. Donc maintenant, la même chose, mais sur la droite... on va lui cramer la gueule. On peut pas. On peut pas. J'ai toujours pas trouvé comment on peut les niquer. Ah, ils font... Ça me gêne parce que... Enfin, ça m'embête, c'est parce que je vais beaucoup crever à cause d'eux. Mais attends, c'est le monde... Ça, c'est la moitié du jeu, donc... Merci de m'avoir libéré. Putain, il y a une sale gueule, lui. Quoi? J'ai rien compris, là. Le nombre de fois que je vais crever dans ce niveau.
petite vue d'ensemble. Il attaque pas lui hein. Bon bah y a pas envie d'attaquer apparemment. Il n'a pas vu mon attaque frontale, petit saut, bien placé, en pleine face. Il n'y a plus qu'à aller pleurer sa mère. Donc là, par contre, il manque énormément de diamants. Et c'est pas normal là. Parce que là, je suis déjà à la fin. Enfin, je suis déjà à la fin, ça fait quand même un petit moment que je suis en train de galérer. Je vais te dire quoi faire avec ces créatures. Écrase les spiraux, saute dessus et écrabouille-les toutes. Pourquoi pas charger et cracher des flammes? Nous sommes des dragons, non? Alors, il y a un manque là-bas. Enfin, des fois t'as des petits passages secrets, mais faut les trouver. Comme là-bas, je l'ai pas encore fait. Bon, on va aller voir. Bah si, je l'ai déjà fait. C'est que j'ai peut-être oublié de passer par un endroit. Faut peut-être escalader. Ouais, on va escalader. Enfin, si on arrive à grimper là-haut. Bah. Je deviens bon, moi. Enfin, c'est pas là que je vais trouver mes 100 diamants, mais... On manquera quand même un petit peu moins. Mais c'est stylé ça. Doit passer. C'est bon ça. Là-bas, ceux qui me manquaient, je crois qu'ils sont là. Enfin, peut-être pas tous, mais. Oh là 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 là. Il me manque 20 diamants. Enfin. Alors là, c'est le début. Là-bas, c'est la fin. Ouais, c'est bon. On a terminé, là. Deux mondes sur 3, sur 5 de terminé. En moyenne, tu comptes, t'as une heure par monde. J'ai commencé à 2h au matin. Ouais, t'as une bonne... Seulement 3 le monde 4, je sais même plus. Ah, c'est le monde 4 déjà. Alors, j'ai fait le vol là-bas. Donc là, maintenant, ça serait le prochain, ça serait là-bas. Thank you.
Chose qui est logique, hein. Donc, on se retrouve pour la suite, hein, pour le prochain monde. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Enfin, je vais essayer de trouver le prochain monde. Attends, là. Donc, on est revenu au début. C'est ce que je cherchais. C'est bien ça. Donc, on se retrouvera pour le village des terrassés. Donc, merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te tourner cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure. C'était Chirica.